Au centre des discussions du Conseil des ministres tenu hier mercredi 27 octobre, quatre projets de loi et un projet de décret ont été débattus. Au titre du ministère de la Sécurité et de l'Ordre public, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi relatif au rattachement de la gendarmerie au ministère de la Sécurité et de l'Ordre public. Un projet de loi portant sur le code pénitentiaire en République du Congo a été examiné et adopté au titre du ministère de la Justice et des Droits humains. Le ministère de la Santé, quant à lui, a présenté deux projets de loi. L'un portant création de l'hôpital général de Kombo-Matari à Brazzaville et l'autre portant création de l'hôpital général de Patra à Pointe-Noire. L'unique projet de décret qui a été au centre des discussions a concerné le ministère de l'Environnement et a porté sur la contribution déterminée au niveau national en République du Congo. Les membres du gouvernement ont également suivi une communication du ministère des Finances relative à la lettre d'intention avec le Fonds monétaire international. Enfin, le Conseil des ministres a procédé aux nominations au titre des ministères de l'économie forestière, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique, du tourisme et des loisirs, et enfin de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement.